Ça manque de ne plus faire des interventions au milieu scolaire contre l'homophobie. C'était cool. Ça me donnait l'occasion de discuter avec des jeunes de mon âge, plus jeunes ou parfois plus âgés, de ce qu'ils savaient de ce qu'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ça me permettait de voir concrètement l'évolution de l'homophobie chez les jeunes. Les classes les plus difficiles étaient celles dans lesquelles les jeunes refusaient de parler. Tu étais là, tu leur donnais les définitions, tu leur donnais les informations sur l'avancement des droits des personnes LGBT et elles te regardaient sans rien dire. L'intervention qui m'a personnellement le plus marquée, c'est celle que j'avais faite dans un collège avec un ami, Hugo. Hugo et moi, nous aimions commencer par donner des informations théoriques et de laisser les 30 dernières minutes pour des questions personnelles. Cette fois-là, comme dans la plupart des interventions, la première question a forcément été sur notre propre orientation sexuelle. Sauf que tous les jeunes qui étaient présents, attends, pas tous les jeunes, la majorité des jeunes qui étaient dans cette salle, dans cette classe-là, étaient d'accord pour dire que Hugo était très probablement homosexuel. Mais tous, malheureusement, tous sans exception, ont refusé d'accepter le fait que je sois lesbienne. Ils étaient là, non, 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 non. J'avais beau dire, je suis lesbienne, je sais que je suis lesbienne, je vous le dis, puisque je le suis. Pour eux, non, 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 non. D'ailleurs, à un moment, ça est arrivé au point où les deux profs qui étaient présentes ont été obligés de participer parce que d'habitude, en fait, on recommandait aux professeurs de rester au fond de la classe pour nous permettre, en fait, d'établir une connexion avec les jeunes. Mais cette fois-là, ils ont dû intervenir parce que tous les élèves présents étaient vraiment déterminés à refuser d'accepter que je puisse être une lesbienne. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit parce qu'elle est noire.